Hey! Hoyo Minasan, c'est Gunshow et aujourd'hui on va se retrouver sur Doom pour continuer mon aventure. Donc là on est sur l'épisode 16. Donc c'est parti! Allez! Donc voilà, une fois je vous avais quitté ici où il y a ce truc là pour activer l'entrée qui mène ici. Je pense qu'il pourra déverrouiller la suite, je pense. Donc ben, c'est parti, allons-y, allons décimer encore des monstres. Donc apparemment là il y a un portail qui m'amènera autre part. Donc là on va faire le plein de toutes les munitions que je peux là, tac tac. Que je sens qu'il va y avoir du lourd à côté là. Ça elle m'a l'air grande. Je crois qu'il y a un truc qui va se fermer, je sais pas où. Il y a un truc qui va se fermer. Je run chercher cet armure. Je crois que j'en aurai besoin. Y'a pas de monstre? Je suis déçu. Ah! Ils attendent que je prends le crâne bleu, hein, c'est ça? Bon, enculé. Sérieux. Ils attendent que je prends le truc là. Je vais quand même prendre des munitions que je peux automatiquement prendre. Donc là, je crois que à partir de là, ça va être du sport. Allez. Prêt pour le sport. Challenge accepté. Et maintenant, là, c'est là où ça se corse. Non? Voilà, j'en me disais bien. Pourquoi ils sont invisibles? Pourquoi ils sont tout un vin invisibles? C'est chelou. C'est un camouflage optique! Ah, ils sont plus chiants ceux-là. Ah! Oh! 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 Curé! Oh, j'aime pas du tout cela. J'aime pas du tout ces créatures. Allez, je te débranche. Je te débranche, enfoiré! Voilà. Je sens que c'est pas fini là. Enfoiré. Tiens, culé, mange! Ah, ça crame. Hop, toi je te débranche. Ah! Le mec il tue un fusil à pompe pour le tuer, tu sais. Eh ben dis donc! Ils étaient coriaces ces connards. Ouh.
On va récupérer de la vie parce que là je sens qu'il y aura un truc qui va se tomber sur ma tronche là. Bon, je regarde vite fait sur la map si j'ai oublié. Normalement, il n'y a rien ici. Normalement. Donc là, je dois passer par le portail. Ça m'emmène où? Ah, ok, carrément, ça m'a TP. Ça m'a TP ici. Ok, d'accord. Ok. Il fait un petit peu chaud ici, non? Et là, en fusion carrément et tout. C'est stylé. Mais je reste pas longtemps. Ok, je crois qu'il faut activer le machin pour activer la porte là-bas. Ça mène où ça? Aïe, yeah. Ça c'est cool. Voilà, j'ai récupéré le secret, voilà. Ce que je cherchais de mon autre épisode. Donc là on active ça, ok. Nul ne pouvait faire face à la horde, hormis le tueur de mort. Le désespoir le précédait comme un fléau, diffusant la peur chez les habitants de l'ombre. Les repoussant dans des trous toujours plus sombres et plus insondables. Mais des profondeurs de l'abysse surgit le géant, un champion plus puissant que tous ceux qui l'avaient précédé, le titan, dont la force et la férocité étaient sans pareil. Il parcourut la plaine pour affronter le tueur de mort, et une grande bataille se déroula sur les terres désolées. Le titan combattit avec la fureur des innombrables victimes, décimées de la main du tueur de mort. Mais il tomba, et sa défaite entraîna celle de la horde des ténèbres. Ok, en fait, il faut que je bats et ce sera la fin du jeu, c'est ça? Je pense. Bon, ben c'est parti, allons le défoncer. Je sens qu'il va un truc, là. Je le sens. Il est cartelé. Oh oh. Au revoir. Reviens là toi. YOLO! Ah mais vas-y, tu fais chier avec ton feu toi. Oh non, pas lui. Allez, coup de balayette. Allez, culé. Et hop là. Allez, tu meurs. Hop là. Ok, bon, mais j'ai plus qu'à mettre le truc dans la porte là.
qui est fait. Normalement, je crois que j'ai récupéré tout ce qu'il fallait là. Je sais pas quoi, je peux rentrer dans ça, mais bon. Bon, c'est pas grave. Moi, le but, c'est d'avancer. Ok. Sur le coup, là, j'ai avancé. Là. Ok. C'est le point final de la map. Ah, 20 démons, tu donnes vos pouvoirs. Ah putain, il y a ces 3. Ah, mais je crois que j'ai récupéré à peu près tout ce qu'il fallait. Bon. Mais c'est parti. Allons-y. Let's go. Continuez. Ok, allez, c'est chargé. Ouais, c'est parti pour le creuser. Récupérer le creuset. Alors, derrière moi en haut, il y a un truc. Ok, c'est en hauteur. Quand il y a des munitions comme ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose de what the fuck qui va se passer là. Je sens toujours ce machin comme ça là en mode. Bon, tiens des munitions. Garde-en bien. Et utilise-les pour des bonnes choses, on va dire. Enfin, les bons moments quoi. Vraiment, il faut passer par là. Ah, j'avoue, là ils ont mis le paquet en munitions là. Ok, là il faut qu'il y a. Ok, ok. Oh putain, il faudrait que je récupère des crânes. Oh, ça va être chaud. Bon, en tout cas. Ouais, ça a l'air cool. En tout cas, il faut que je passe par là. Bon, mais c'est parti. Bon, c'est une TP là. On récupère ça. Non. Allez, mange. Mange ça. Les caisses ouvertes là. Hop, on récupère la dernière chose. Pour améliorer mon équipement. Voilà. Non, je suis full max, armure et tout, machin chouette là. Allez. Voilà. Le démon d'argent. Ok. On va parler, on va écouter ce qu'il raconte. Et dans sa terrible rancune, entre les mondes et à travers le temps, le marcheur des ténèbres trouva le malheureux qui ne doit pas être nommé. Mais dans son hérésie, il resta fidèle à sa cause diabolique. Le malheureux vêtit le tueur de mort d'une puissante armure, forgée dans les tréfonds de l'enfer, impénétrable et indestructible. Armé d'une épée et d'un bouclier inaltérable, le tueur de mort jura de bannir tous ceux qui avaient échappé à sa sauvagerie.
J'adore ce conte. Un truc là, non? Ouais, je suis le touriste. J'en fais la touriste. Ok. Donc là, il faut remonter là-haut. Eh, mais c'était mon dit. Pourquoi il est invisible comme ça, lui? Il te manque des textures, toi. Ça, voilà. Ok. Allez, hop, toi. Mange ça. J'ai activé, j'ai défoncé les monstres qui étaient là. Ensuite, on va passer par là. Je suppose. Ah, bonjour toi! Ouh, tu fais maintenant. Ah, 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 ah. Allez, hop. Toi tu meurs. On va récupérer des munitions et tout, le tralala ici. Ouais. En fait. Bon, y'a un truc encore ici, non? Ça me dit qu'il y a une seule. Ah. Non? Je crois qu'il y a un secret ici, mais. Je sais pas comment rentrer. Comment je rentre dans le secret, moi? Je crois qu'il y a une porte dérobée ou un truc comme ça où je dois appuyer sur un truc. Non? Non, mais c'est pas possible, il doit y avoir un truc, il doit y avoir un mécanisme, je sais pas, mais il doit y avoir un truc. Pas possible, il y a un mécanisme. De voir un mécanisme parce que là il y a un truc ici là. Le mec il utilise toutes ses munitions dessus, t'es. Je sais pas. En tout cas là il y a un truc derrière là. Je sais pas comment rentrer dans le machin, mais. Il doit avoir un truc. Il doit avoir un truc à faire. Quoi? Ça, je ne sais pas. Je sais pas, il y a un truc à faire, ça me saoule. C'est relou parce qu'il y a une salle, je sais qu'il y a une salle, mais je sais pas comment y rentrer, quoi. C'est relou. Il y a un truc, il doit avoir un mécanisme, je sais pas où encore. Un mécanisme à la molleleu là. Je sais pas, il y a pas un sorte de levier comme dans mon précédent épisode, enfin un précédent épisode, on va dire un épisode que j'avais fait au début. Qui peut activer le machin ou je sais pas. Wakanai, je sais qu'il y a un truc, mais.
Je ne sais pas comment y activer. Ça, c'est rageant quand t'as un truc là, tu sais que tu peux le faire, mais tu vois pas où il faut activer le machin. C'est relou. C'est bon, non, je dois passer par là. En tout cas, je sais qu'il y a un truc à faire là. Mais quoi? Attends, je pèse toutes mes munitions pour rien. Bon, allez. C'est pas grave. Si vous savez, bah, mettez-le en commentaire ou montrez-moi une vidéo qui illustre comment activer dans le machin. Ou peut-être que je vais réussir peut-être à l'avoir un peu plus tard, je sais pas après. Après, je sais pas du tout. En tout cas, il faut toujours passer par là. On active ça. Oh putain, il y en a un autre. Ah ouais. Oh yes, il a tué. Allez, toi, je te tranche. Voilà. Allez, toi, tu meurs, voilà. Ok. Ça, c'est fait. Alors là, je dois récupérer les crânes jaunes. Ok. De toute façon, après, je peux pas retourner là-bas, donc on va dire que voilà. Bon, la carte est mise à jour. Ok. Dommage, j'aurais bien voulu récupérer qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça aurait été fun, mais je sais pas comment y passer, donc voilà. Dites-le en commentaire si vous avez réussi ou si vous connaissez la chose. Donc voilà, bon, et je passe par là. Ok, bon, ça récupère ici, là où je dois mettre le machin là. Je crois que j'ai tout full de munitions. Donc là, on va mettre le crâne jaune dans son orifice. Voilà. Là, on va activer le mécanisme numéro 1. Voilà. Ok, bon, ça s'est activé. Maintenant, il faut que je repasse par là pour chercher le bleu.
Donc c'est parti, ouais, fais la minute. Bon, je peux y aller. Hop. Je pense que je vais faire ça et sera la fin de l'épisode. Si tu pas de conneries. Oula. Toi, hop, tu mon chat. Sugi. Ah putain. Ah. Merde! Non! Allez, mon chat. Oh! Ça, c'est... Au revoir. Ouais. Ok. Oh, allez, je l'ai coupé en deux. Ah, oh, j'ai tué les deux en même temps. Ah, genre. Oh, oh, il va se calmer. Oh putain, il y en a deux, ok. Ah, le truc qui s'est pas auto machin là. Oh putain, j'avais le truc quadruple dit. A chaque fois je le prends, mais quand c'est fini quoi. C'est relou ça. Oh là là. Ça c'est vraiment relou ce machin. Je récupère ça. Ok. Je vais commencer quand. Bon. Bon, ben je crois que je vais m'arrêter là. Bon, mais je vous dis à plus tard pour un autre épisode sur Doom. C'était Gacho. Bye bye.